Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici Jonathan, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble le comportement. Si jamais tu ne fais pas ça, franchement tu ne réussiras pas dans le business, ça c'est sûr et certain. Ok, ça s'appelle l'autodiscipline. Si jamais tu n'es pas autodiscipliné, tu ne pourras pas réussir dans le business. Je t'explique pourquoi. Une fois que tu vas commencer à t'investir dans ton business, il y a des moments où tu n'auras pas envie de faire les choses. Par exemple, si jamais tu dis, voilà, je vais faire une vidéo sur YouTube, il y a des moments où tu n'auras pas envie de faire ta vidéo. Si jamais tu n'as pas cette autodiscipline à t'obliger à faire ce qui doit être fait, tu ne pourras pas réussir. Tu vois, je t'ai pris l'exemple de la vidéo, mais ça peut être l'exemple de si jamais tu dois écrire un article, si jamais tu dois faire des recherches, si jamais tu dois lire, si jamais tu sais que voilà, pour progresser, il faut que tu te formes, donc il faut que tu lises. Donc tu te dis, voilà, il faut que je lise au moins allez, un bouquin toutes les deux semaines, imaginons. Si jamais tu n'es pas autodiscipliné et tu ne te dis pas, voilà, j'ai dit qu'il fallait que je fasse toutes les deux semaines la lecture d'un livre, si jamais tu n'es pas autodiscipliné, eh ben, tu ne le feras jamais. Donc ça, c'est la clé, une des clés importantes, majeures pour pouvoir vraiment réussir. Et une fois que tu es autodiscipliné, tu peux réussir dans n'importe quel domaine. Là, on parle de business, mais tu peux réussir dans n'importe quel domaine. Que ça soit dans la musique, je pense à la musique parce que je suis musicien aussi, que ça soit dans le business, que ça soit dans les relations, etc. Si jamais, par exemple, tu sais que pour ta chérie ou ton chéri, ce serait bien de planifier un restaurant, je ne sais pas moi, tous les mois, d'accord ? C'est un exemple. Hein. Si jamais tu es autodiscipliné, tu sais, voilà, il faut que chaque mois, on le fasse parce que ça va être bon pour le couple, tu vois, ou qu'il faut passer un moment ensemble, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est vraiment une technique, l'autodiscipline, qui est de base super importante pour que tu puisses avoir du succès dans ta vie, dans ce que tu veux. Okay? L'autodiscipline et la persévérance. Et de toute façon, la persévérance et l'autodiscipline, ça se rejoint carrément. Okay? Donc, si jamais toi, tu as d'autres techniques pour pouvoir progresser dans le business, n'hésite pas à me mettre un joli commentaire. Si jamais tu veux créer ton business en ligne, j'ai créé une formation où je te montre étape par étape comment créer ton business en ligne. Je te donne 25 idées de business en ligne. Tu verras comment créer ton offre, tu verras comment faire un tunnel de vente. Je te donne tout, tu verras comment fixer ton prix. Tu as juste à cliquer, tu mets ton mail et moi je t'envoie ça directement. Ok, donc d'ici là les gars, prenez soin de vous. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.